Salut à tous les amis, c'est Sanfa et on se retrouve dans la suite de notre bestiaire. Comme vous voyez, on est sur la partie calcinée de Ragnarok, à côté du volcan. On va essayer d'aller apprivoiser un Arthropleura. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Alors, c'est un timing en passif, quelques prérequis, la tenue de camouflage, du répulsif à insectes. Et pour apprivoiser l'Arthropleura, il vous faudra faire des bouillons de culture. Je vous mettrai la recette dans la description. Alors c'est un timing passif, donc il va falloir être assez malin et patient. Voilà, s'approcher de l'Arthropleura. Voilà, un seul a suffi. Et nous avons apprivoisé notre première Arthropleura. Et on se retrouve tout de suite pour parler de ses capacités. Et voilà les amis, nous avons mis une selle sur notre Arthropleura. Alors à quoi va-t-elle nous servir? Et à part à faire peur aux ennemis. Alors, comme vous le savez, je pense si vous avez été dans les grottes, son jet d'acide abîme très fortement le stuff. Les armures, si vous avez une armure blanche. Une armure commune, un jet, vous prenez un jet d'acide et ça vous fait sauter toute l'armure, donc ça peut être assez pratique. Vous mettez en défense de, mettez dans votre parc à dino en défense. Si quelqu'un s'introduit dans votre enclos, votre Arthropleura lui fera exploser l'armure et vos autres dinos pourront se charger de le tuer. Voilà, on a notre griffon qui est en train de faire connaissance avec un autre dino. Alors deux attaques, je viens de vous le dire. La première attaque avec le clic gauche, la morsure. Et avec le clic droit, ce sera le jet d'acide. Voilà. Un peu façon boule de poison quand on voit la wyverne de poison. Hop, et voilà. Donc pas de repro pour l'Arthropleura, vous voyez, sexe indéterminé. Mais c'est toujours sympa d'en apprivoiser plusieurs. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur l'Arthropleura. J'espère que ce petit tuto vous a aidé. Cette petite présentation de Dino m'a fait plaisir. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit like ou même à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, ciao, bye bye!